Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Que vous êtes en forme. Que vous avez passé une bonne nuit. Et que vous êtes prêts pour cette séance de Qigong. Je vous souhaite la bienvenue dans mon salon. Aujourd'hui pour notre séance de Qigong. Nous sommes le vendredi 13 novembre et il est 9h30. Commençons tranquillement. Placez-vous avec une ouverture largeur de vos hanches et relâchez complètement tous les membres de votre corps. Prenez juste une inspire et une expire très profonde. Inspirez profondément et soufflez lentement. Encore. Et très doucement, relâchez dans vos genoux et venez placer vos mains l'une contre l'autre et commencez à frotter vos mains et puis venir faire ici des petits cercles sur l'une et l'autre. Puis à nouveau, frotter. Si vous avez des lunettes, vous pouvez les retirer un instant. On reprend, on frotte. Et puis, dès qu'on sent la chaleur dans nos mains, on vient placer les mains ici, sous les yeux. Et on jette tout ça vers l'extérieur. À nouveau. Et puis maintenant, on va venir et faire des mouvements ici circulaires. Partir de l'intérieur vers le front. Bien. Avec la paume de la main, ici, tapoter. Et l'autre côté. Et avec le dos de la main, et relâchez. Ici, là, et puis ici, en formant un cercle avec le pouce et l'index, vous venez faire des petits massages circulaires ici. Et vous montez au plus haut de vos capacités. Et puis, toujours là. Petit massage sur le nombril. Pour relâcher. Venez avec le poing ici, tapez ici. Et avec l'autre poing, tapez derrière. D'accord? Donc ça nous fait ça. Et puis après, ça.
et relâchez. Laissez vos mains comme si vous les jetez. Ici. Et puis au fur et à mesure, vous accompagnez le mouvement avec une élévation des talons. Hop, vous tombez, vous ramenez les talons dans le sol en même temps que les bras descendent. Et puis vous relâchez. Ça va ? Ce petit éveil musculaire ? Bien. On va commencer tranquillement en prenant à nouveau une grande inspire. On va souffler, venir croiser ici. Cette fois-ci, regardez, on va accompagner le mouvement avec la tête qui part vers l'arrière comme si on voulait aller regarder les étoiles. Et on ramène la tête ici. À nouveau, on ouvre. Hop. On accompagne le mouvement et on revient à sa place initiale. Maintenant, on va réaliser ce même mouvement, mais en nous orientant aux quatre points cardinaux. On commence de face, puis on se tourne un peu. Et on tourne encore. On va aller dans l'autre sens. Bien, on revient. On enchaîne. Alors cette fois-ci également avec notre tête, on peut aller soit regarder vers le bas, revenir, ou aller vers le haut. On peut alterner les mouvements, une fois vers le bas, changer, pas toujours du même côté pour le bas, commencer avec le bas. Cette fois-ci, côté droit. Et le haut côté droit. Puis, enchaîner avec le bas côté gauche. Et le haut. Pensez, ou
couleur de la terre, la couleur du ciel, ces couleurs qui se séparent, puis se rapprochent à nouveau, se mélangent et se séparent encore. Et puis relâchez. N'oubliez pas d'associer votre respiration. Prenez le temps d'inspirer, de souffler sur l'un et l'autre des mouvements. Imaginez ces ailes qui se déploient et vous découvrez les couleurs. Puis elles disparaissent, ces couleurs, lorsque les ailes se referment. Et puis relâchez. Montez sur vos pointes de pied, puis redescendez. Prenez le temps d'inspirer, de souffler, sentir que vous montez jusqu'au maximum de vos capacités sur les pointes et quand vous redescendez lentement jusqu'au talon. Relâchez, placez vos mains, imaginez une balle qui va bouger au gré du vent. Vous pouvez accélérer ou ralentir le mouvement, donner plus d'amplitude ou réduire. Puis relâchez.
retrouvez l'espace de vos jambes. Ramenez ici les paumes vers le ciel. Les coudes allant loin derrière. Pliez sur vos genoux. Orientez-vous vers la gauche. Bras droit monte. Jambe droite se tend. Talon droit se décolle. Ramène bras droit, pousse talon droit. Et engage sur bras gauche, talon gauche. Suis du regard la main qui se tend vers le ciel. Et puis, regarde cette main et tu passes ton regard sur la seconde. Ici, tu changes le regard. Hop. Tranquillement. Inspire et souffle. Puis tu relâches. Tu remets tranquillement. Ouvrir pour ramasser l'eau. Vous appelez. Posez pointe. On fléchit, on pivote et on envoie le poids du corps sur la jambe arrière. Puis on recommence. Posez pointe. D'abord, on pivote, on passe le poids du corps sur la jambe arrière. Pliez. Pivoter, poids du corps sur la jambe arrière. Plier, pivoter.
Et puis revenez à votre place initiale. Rapprochez les pieds, mais pas trop collés. Un tout petit espace. Et on va commencer par, vous vous rappelez, le mouvement qui s'appelle la voûte céleste, qui va en fait représenter comme une sorte de mouvement de rotation qui commence depuis le bas et va doucement monter jusque là-haut, puis redescendre. D'accord? Allez, on commence. Et dans l'autre sens pour redescendre. Vous enchaînez les sens l'un après l'autre. Puis vous relâchez. Ouvrez à nouveau. Venez placer vos mains devant vous. Montez tout doucement au-dessus de votre tête. Vous allez répartir tout autour cette chaleur que vous ressentez jusqu'au bout des doigts. Relâchez. Bien. Aujourd'hui, juste avant de terminer, j'aimerais que l'on passe en détail un nouveau mouvement. Ce mouvement s'appelle le singe blanc offre un fruit. Il est composé de plusieurs petits mouvements. Et on va le voir en détail aujourd'hui. Vous pourrez vous entraîner ensuite pour que la semaine prochaine, ça soit plus fluide. Alors, ça commence avec pied droit qui va pivoter vers la droite et se poser entièrement dans le sol avec un accompagnement des bras. Hop ! D'accord ? Je reviens à ma place et on reprend. Hop ! Comme si on roulait
encastrer le pied dans le sol ainsi que les mains. Ok? On le refait encore une fois. Ici. Hop. D'accord? Ça, c'est le premier mouvement. Ensuite, le second mouvement, vous allez juste plier vos coudes en laissant les doigts orientés vers la terre. Vous pliez les coudes. D'accord? Ensuite, vous fermez les poings et vous plongez les poings dans la terre. Ok? Vous ouvrez les mains à nouveau et en même temps, votre jambe gauche, d'accord? Vous allez faire un mouvement comme si vous vouliez ramasser quelque chose, d'accord? Ramasser des fruits. Donc, vous étiez là. On va ramasser en même temps, regardez, on se plie sur la jambe. La jambe arrière vient, monte et les deux mains montent aussi pour former une coupe avec nos mains et le genou reste en l'air. Les coudes se touchent entre eux, les mains forment une coupe. Et maintenant, doucement, on ouvrira bras gauche, jambe gauche, comme dans une scène au ralenti. Et doucement, on vient poser ici, dans cette posture, avec les mains vers le ciel. Et on referme. Ça va? On va refaire la même chose de l'autre côté. Donc au départ, jambe gauche, on pose le poids dans le sol. Bien. On plie les coudes, les doigts grands ouverts. On ferme les poings, on les plonge dans la terre. On ouvre les poings, on passe par en dessous en se pliant. La jambe droite va se lever. Les deux mains vont former une coupe. Le genou droit décollé. Et très doucement, lentement, on ouvre bras droit, genou droit. Et on vient poser ici. Et on relâche. Ça va? On refait encore une fois. Le singe blanc offre un fruit. Les coudes, ferme les poings sans bouger. Les coudes vont rester là, mais c'est juste les avant-bras qui descendent, d'accord? Ouvre poing, passe par en dessous, flexion des deux genoux. On monte la jambe gauche. On forme une coupe avec nos mains. Et doucement, on ouvre. Dernière fois. On pose. Très bien. On vient. Ferme les poings. Plonge-les dans la terre. Ouvre. Flexion. Va chercher par en dessous et tu montes doucement. Tu formes une coupe. Avec tes mains, tes coudes se touchent entre eux et très doucement. Voilà, j'espère que ça a été pour ce dernier mouvement. Il s'appelle le singe blanc offre un fruit. Je vous dis merci beaucoup. Bravo pour votre travail. Vous avez été super. J'espère
J'espère que ça s'est bien passé, que vous avez réussi à faire toutes les postures et que vous avez surtout accumulé plein de bonnes ondes positives. Je vous dis bravo, bravo pour votre travail. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous donne rendez-vous dimanche matin.